Monde, c'est Malheur 7, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite comme d'habitude sur ce monde. Donc les gars, aujourd'hui il n'y a pas grand chose hein. Vous voyez qu'il y a les jeux martiaux comme d'hab, voilà, quotidien. Puis après ouais, il n'y a pas grand chose quoi, moi j'ai tout fait comme je vous ai déjà dit. Et puis quotidien, il faut que je fasse des explorations quotidiennes dans les campagnes. Donc c'est tout ce qui est bunker, cabane et maison en ruine hein. Donc ouais, bon, c'est facile. En joue à plusieurs, je suis bientôt à 750 du coup. Je reste 64%, ça fait plaisir. Je vais essayer à la fin, avant cette fin de semaine là, enfin avant vendredi, tu vois, d'être à 800, tu vois, histoire de bien avancer. Du coup, hier, après mon lama opening que j'ai fait hier, du coup, j'ai ouvert un lama. Et, enfin, deux lamas, je crois, après. Un ou deux, je sais plus. Et du coup, j'ai eu la mythique qui se trouve ici, que j'avais déjà, hein, évidemment. Mais du coup, ma théorie, comme quoi, si tu l'avais déjà, tu pouvais pas l'avoir, bah, elle tombe à l'eau, du coup. Bah, je peux l'avoir. Moi, j'ai quand même ouvert 60. Lama, tu vois, avant de l'avoir, donc lama espion, évidemment. Donc voilà, j'ai eu la petite Rio agent de terrain, du coup, je l'ai mis en 130. Donc elle a bon éclipse, ours, fracas sismique et le bon éclipse. Quand tu fais le bon éclipse, en gros, ton pistolet, enfin, ton arme à distance, c'est pas que pistolet, c'est ton arme à distance, en gros, inflige une pulsation, en gros, c'est comme. Ouais, une pulsation quoi qui inflige des dégâts, du coup c'est plutôt pas mal. L'explication était éclatée, mais bref, c'est une pulsation quoi. Si vous voulez que je vous montre en game, vite fait. Enfin voilà, du coup je vais vous montrer comme hier. Je sais pas si vous avez kiffé, mais en gros, tout ce qui est intéressant à faire aujourd'hui. Donc Fontainebois, évidemment, vous en doutez qu'il n'y a pas grand chose. Hein. Enfin, surtout pour moi, tu vois. Et pour un bas niveau en Fontainebois, qu'est-ce qui peut être intéressant en vrai? Pour un bas niveau en vrai. Je sais pas, hein, toutes les missions tickets en vrai, mais bon, c'est pas un ouf quoi. À la limite, pour un bas niveau, qu'est-ce qui peut être intéressant? En vrai, pas grand chose. Si, ça à la limite, mais. Ça à la limite, mais bon, bref, on s'en fout. Donc, ville planche, qu'est-ce qui est intéressant? J'ai déjà regardé, hein, si jamais, je sais ce qu'il y a, il y a une mission V-Bucks. 30 V-Bucks, quelque part, c'est un chevauché la foudre qui se trouve ici. Donc, je vais le faire plus tard, tranquillou. Je vais pas me prendre la tête, tu vois. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant? Je vais vous dire comme hier, hein, tout ce qui est épique et légendaire. Pourquoi pas? Ah, Picardie, il y a pas mal de héros à gagner en légendaire en plus, donc ça peut être intéressant. Donc, il y a cette mission qui peut être intéressante, 120 récupérateurs lège. Mais sachant qu'il faut 600 pour changer un truc, c'est un peu chaud. Foudre en bouteille, là t'as 10, pourquoi pas? Il faut 4 XP de survivant pour un bon niveau, hein, évidemment, pas pour moi. Pour moi, c'est en Picardie, je vais vous montrer ça plus tard. Donc là encore un 10 foudre en bouteille et 4 fois XP de schéma héros pardon, donc ça peut être intéressant. Celle là qui peut être très très intéressant, 150 décuplateurs rares plus 80 tickets lunaires, donc c'est correct, c'est un 46, donc c'est facile à faire. Enfin, ça dépend de ta puissance évidemment, si t'es puissance 20 ça va être compliqué. Après à Morn, alors à Morn il y a une mission 35 V-Bucks, donc voilà. Je vais vous montrer ça. T'as le seul à projection aussi. Là, t'as un 36 gouttes de pluie x4 XP de schéma. Donc, ça peut être intéressant aussi. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Ouais, le seul projection, comme je vous ai dit, en légendaire. Ça, on s'en fout. En épique, du coup, t'as le fusil de sniper à tube. Hein. T'as le faux à néon. Hein. T'as le perforateur. Hein. T'as crash ninja de pied. Ninja pied de pierre, pardon. Que j'ai déjà en légendaire, du coup en double. T'as un survivant épique en même temps, donc pourquoi pas. Pour les bas niveaux, pourquoi pas. N'hésitez pas, les moyens niveaux, du coup, là, vu qu'on est à Morn. Donc elle a la mission, livrer la bombe 35 V-Bucks. Donc c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? T'as le pistolet à tube en légendaire aussi. J'ai pas. Ouais. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Les deux là, pourquoi pas, mais bon, c'est pas ouf. Déjà, je bouge un peu trop, vu que. J'essaie de faire ça assez vite, comme après, j'ai pas envie de faire une vidéo trop trop longue. T'as le plafond électrique, plafond électrocuteur. T'as le bois expert. T'as le désintégrateur Vindertech. Ça, c'est un fusil à pompe à plasma en gros. Il est intéressant en vrai, mais c'est des balles. C'est des balles énergétiques, cellules d'énergie. Donc voilà, c'est pas ouf. Après là, t'as une mission x4 d'XP de schéma plus. 36 300 de XP de schéma en plus, donc c'est plutôt pas mal si tu veux farm les trucs. T'as celle là qui peut être intéressant, 75 d'exploiteurs épiques, 102 tickets lunaires et des petits XP de schéma, pourquoi pas hein.
Le boss, il donne 18 foudres en bouteille. Le roi de la tempête classique, on va dire. Je vais l'appeler classique. Et du coup, ouais, à Picardie, il y a énormément de trucs, les gars. Hein, je vous le dis. Donc, t'as le plafond électrocuteur. T'as le. T'as ça hein, qui peut être intéressant. x4 de foudre en bouteille, c'est en 76 en plus de co. T'auras à peu près 150, voire plus. Je sais plus. J'ai plus, je sais plus en vrai. Mais je pense 150, 200. Je pense pas que tu peux avoir plus. Enfin, entre 100 et 200, en gros. C'est vraiment vague ce que je viens de dire, mais voilà. T'as la submersive en épique. T'as le correctionneur en épique. T'as 36 gouttes de pluie plus des deux petits lamas et 118 gouttes de tickets lunaires. Ça peut être intéressant, sachant que les petits lamas ça donne de l'or, pourquoi pas. T'as encore un récupérer les données, 36 gouttes de pluie, ça c'est les meilleures missions, vu qu'il n'y a pas de mini-boss, t'as pas trop de difficultés. Après t'as flaque de lenteur, accélération et ronge-mur, ça peut être un peu chaud, tu vois. Donc voilà, celle-là elle peut être intéressante, mais c'est dur, c'est un catégorie 4. Après, c'est 88, ça peut passer, les zombies sont puissants 100. Donc voilà, pourquoi pas. Je crois que je vais pas lancer de mission vu que là c'est assez long, comme je parle assez long, beaucoup. Là t'as 180 d'équipulateur épique et x4 d'XP de schéma, donc pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire justement si vous voyez des missions et vous êtes trop bas niveau. N'hésitez pas du coup à m'ajouter et pourquoi pas à le faire si. Si j'ai l'estime de réussir à carry tout seul. Donc là, t'as un survivant épique catégorie 3, pourquoi pas. T'as un pulse. La Scar en épique, j'arrive jamais à le dire. Pulvérisateur. La Scar en gros en épique. Elle était déjà hier en une mission beaucoup moins élevée. Là, c'est 100, mais hier, elle était en beaucoup moins élevée. Donc voilà. T'as du coup la défenseur sniper en légendaire. Que j'ai pas en double d'ailleurs, mais bon, ça me sert à rien de les avoir en double, mais juste pour le délire, j'aime bien avoir tout en double quoi. Après là on rentre dans l'émission où il y a pas mal de héros. Je vais vous montrer, il y a pas mal de héros à gagner que j'ai quasiment déjà tous, enfin la moitié quoi. Donc cette mission est intéressante, 36 foudres en bouteille, 125 récupérateurs, 122 tickets lunaires et des petits décuplateurs en légendaire, à peu près une cinquantaine, soixantaine, vu que c'est en 108, je pense qu'il y a une cinquantaine hein. Si je dis pas de conneries, à vous de confirmer hein, si vous savez mieux que moi. La moissonneur en légendaire, elle je l'ai depuis longtemps en double hein, évidemment. Mais c'est un pistolet, un pistolet minigun on va dire, qui est plutôt pas mal, hein, vous connaissez je pense. Mais en vrai, elle utilise énormément de balles, mais en vrai elle est assez puissante, enfin elle est correcte je pense. T'as cette mission intéressante aussi. Si t'as besoin de récupérateur, je pense que c'est la meilleure mission à farm. Enfin, elle est équilibrée quoi. C'est pas genre en 140 hyper dur. Là, c'est 108 4 joueurs. Du coup, les zombies sont 116, si je dis pas de conneries. Ou 124, je sais pas, je sais plus. Là, c'est pareil. Celle-là, elle peut être intéressante aussi. x4 XP de schéma. 108 4 joueurs, pareil. Hein. Du coup, les zombies sont 116 ou 100... 124, je sais pas. Non, 116, je pense. Enfin, je sais pas. T'as un petit évacuer refuge assez simple du coup, 116, tu prends tes armes 130, c'est easy hein. Du coup t'as pas mal de gouttes de pluie, t'as 60 plus encore une quarantaine, je pense t'as 100 dans cette mission si je dis pas de conneries. Plus 95 d'éclateurs légendaires et des tickets linéaires, donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, là on rentre dans les missions avec des héros. Donc là déjà t'as un survivant épique, pourquoi pas, hein. Pareil c'est comme l'autre, 60 gouttes de pluie. Là c'est œil du cyclone par contre. Donc voilà, t'as une soixantaine. Là, 60 gouttes de pluie, sauver les survivants, c'est vraiment. Ça, c'est gratos. Ça, c'est vraiment une mission gratuite. En plus, si t'as besoin de farm du métal ou du brick ou de la brique ou quoi. Ou même des efficaces, tu vois. Vu que t'as 20 minutes, t'as vraiment le temps de farm. Tu te mets full, quoi. C'est vraiment intéressant. Donc là, on commence avec un héros. Sarah, maître du shuriken en légendaire, que j'ai déjà en double. C'est mon héros vraiment préféré pour les shurikens. Parce que. Pour les fracasseurs ou quoi, c'est vraiment fort. Si jamais genre t'as trop de petits zombies et t'as un fracasseur d'un coup, tu fais shuriken dans sa gueule, il meurt. Enfin peut-être pas dans l'émission haute, mais genre si t'es dans des niveaux aller jusqu'à 100, je pense ça passe, tu vois. Après si t'as kunai, bon évidemment si t'as kunai là bah c'est bon. Si t'as lynx, le fracasseur tu le one shot aussi, tu vois, t'as pas besoin des shurikens de Sarah, tu vois. Mais voilà, donc là t'as la Dagobert 3 XP de schéma x4.
Là, t'as quoi? Récupérer les données, 95 d'éculateurs légendaires, plus 100 de d'éculateurs épiques, plus un x4 récupérateur. Donc là, pareil, comme j'ai dit avant, si tu veux des récupérateurs, c'est intéressant, mais c'est beaucoup plus dur. 116 4 joueurs, les zombies sont 100, 132, je pense, un truc comme ça, ou 127 à voir, mais du coup, c'est un peu chaud. Donc là, on rentre encore, hein. Combattre la tempête. Donc ça c'est des missions assez simples, si t'es 4 tu le fais assez simple, hein. Même si c'est 124, mais genre t'es 4, c'est assez simple, hein, vraiment. Donc là t'as un petit danger réparateur, que j'ai pas en double en plus. Donc en vrai j'hésite à le faire dans la journée je pense, vu que en vrai je l'ai pas en double. Et il peut rentrer dans ma section de constructeur. Et ouais ça peut être intéressant, ça peut être intéressant. Maxime si tu regardes cette vidéo n'hésite pas à me dire si c'est intéressant de le mettre dans une classe de constructeur si jamais je fais un récupérer les données ou quoi et je mets un BRIC en haut pourquoi pas si je ouais ça c'est quoi celle-là elle peut être intéressante pareil hein, si tu veux farmer les tickets lunaires en vrai ces missions c'est les meilleures missions en vrai c'est pas dur tu réussis assez facilement donc là pareil récupérer les données 60 gouttes de plus c'est intéressant à faire t'as bombe agonie Ronge-mur et le baiser, le bisou, je sais plus c'est quoi, c'est attaque de lenteur, donc voilà, c'est assez simple. Après là, t'as encore une mission un peu dure, enfin moi je dis que c'est dur parce que je les fais pas ces missions-là. Enfin il faut que j'ai des gens avec moi qui carry quoi, si je fais tout seul, enfin si je fais tout seul avec des potes à moi moins forts que moi, je vais clairement pas réussir. Mais en gros, elle peut être intéressante aussi, t'as un mini-boss, bombe agonie, le point, je sais même plus c'est quoi. Mort enrageante et ronge métal. L'espèce de biche là, c'est ronge métal apparemment. Donc x4 d'XP de schéma. Ouais, celle-là elle peut être intéressante en farm si t'as besoin d'XP de schéma, vraiment. Celle-là pareil, hein, si t'as besoin d'XP de héros. Ah, les deux là elles sont intéressantes, hein, j'hésite à les. Enfin, moi j'ai pas besoin d'XP de schéma et tout, donc. Mais si j'aurais besoin, j'aurais clairement fait ces deux-là en masse. Donc là on arrive sur la troisième héros que je vous ai dit, il y en a pas mal aujourd'hui. Donc là t'as Marie voleuse d'énergie. Avec 36 foudres en bouteille et 128 tickets lunaires. Donc Marie voleuse d'énergie, je crois que j'ai regardé juste avant, j'ai déjà oublié, elle fait quoi comme compétence. Mais je crois que coup de pied faucheur, ça met des dégâts d'énergie ou je sais pas quoi, je sais plus. Si vous voulez, je vous dirai ça plus tard. Donc t'as la clé à cliquer en épique. Bon ça c'est plus pour la collection du coup. Là, t'as des missions intéressantes, hein, x4, fragments de tempête ou wave du cyclone. Fragments de tempête, en vrai, c'est pas ouf. Enfin, tu l'utilises pas beaucoup. Moi, j'ai 1500 hein, pour vous dire. Donc, en vrai, j'utilise quasiment jamais. Donc, bon. Mais t'as quand même 110 décuplateurs légendaires. 210, pardon. Ouais. Là, t'as 220 décuplateurs épiques. Celle-là, elle est plus intéressante que celle-là, tu vois. Alors que là, c'est épique. Et là-bas, c'est décuplateurs légendaires, tu vois. Mais celle-là, elle est plus intéressante si tu veux farm les wave du cyclone. Voilà, cette mission elle est super intéressante en vrai. 36 œils du cyclone, 130 tickets lunaires et une trentaine de fragments de tempête si on compte les suppléments. Enfin, ouais. Après, il y a quoi qui est intéressant? T'as E4, E3, hein, évidemment, elles sont toujours intéressantes. Tous les jours, t'as 3 missions 144 joueurs, super intéressantes. Après, elles sont dures, tu vois, mais elles sont super intéressantes tout le temps. Quoi que c'est, genre si c'est décuplateur légendaire, si c'est XP de schéma, décuplateur épique, tout ce que tu veux, c'est super intéressant. Et pour finir, t'as Kay, le constructeur balèze. Bah, j'ai regardé aussi sa compétence à lui. Donc, sa compétence à lui, en gros, quand il y a des éliminations par ton BS, enfin, j'ai pas compris en vrai. Au bout de 30, ça crée une explosion qui repousse les zombies en gros. Je sais pas si vous voyez, comme si c'était un. Ouais, une explosion quoi. Le dôme qui explose quoi, ça fait fiou et ça éjecte tout le monde. Enfin, je pense que ça fait ça. Du coup, il peut être intéressant, je sais pas du tout, mais dites-moi du coup, pour ceux qui le jouent, s'il est vraiment intéressant ou pas. Vu qu'en vrai, je l'ai pas en double. Je l'ai déjà dans la collection, mais du coup, je l'ai pas en double, donc pourquoi pas, tu vois. Donc là, mission pour moi intéressante, c'est les 2 V-Bucks. Donc elle, Marie voleuse d'énergie, je crois que je l'ai pas en double. Danger réparateur, je l'ai pas en double. Et du coup, ouais, Sarah, maître shuriken, j'ai pas besoin. Je l'ai ici, regardez, elle est toute belle. Elle est toute belle, regardez là. Oui, elle est toute belle.
Donc ouais, qu'est-ce que j'ai dit? Donc regardez, constructeurs. Les constructeurs, pour l'instant, j'ai tout cela. Mais comme vous pouvez voir, j'ai trois pénis différentes hein, déjà. Ça, il faut le dire. Enfin, quatre même. Quatre pénis différentes. Non, cinq. Cinq pénis différentes en légendaire, c'est... Elle aussi, c'est une... Ah non, c'est Isa, elle. Ok. Donc bref. Comme je vous ai dit, Kyle, du coup, balèze. Constructeur balèze, je l'ai pas. Et réparateur, je l'ai pas. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Et du coup, la ninja, je vous ai montré que je l'ai. Je vais pas faire de mission vu que là c'est déjà long. De toute façon, il y a rien. C'est juste pour vous dire justement qu'il y a rien quoi. Et c'était quoi l'autre? Le dernier? C'est ninja voleuse de machin? Bah, je l'ai pas non plus, tu vois. Donc c'est intéressant à faire. Donc voilà. Du coup, voilà, je vous ai montré ce qui est intéressant. Et du coup, on se retrouve. Ouais, on va se laisser sur ça. Je vais pas faire trop long vu que là je suis sûr que ça fait déjà 15 minutes alors que j'ai rien fait. J'ai juste parlé de ce qu'il y avait comme mission, tu vois. Mais du coup, je vous ai un peu montré ce qu'il y a. Du coup, là, il est quoi, midi? Donc, n'hésitez pas. Du coup, la vidéo va sortir à 13h, je pense. Du coup, vous avez le temps. Vous avez genre une dizaine d'heures pour me dire si vous voulez quelle mission vous voulez faire, quoi. Enfin, pas en 140, hein, je vous dis, mais genre jusqu'à 100, je peux carry tout seul. Jusqu'au mission 100, je pense. À la limite 108, tu vois. À la limite 108. Enfin, 100. Je commission de 100, tu vois, si vous avez vu un truc qui vous intéresse, n'hésitez pas à me dire et on fera ça dans la journée. Même si c'est pour demain ou quoi, mais ça sera différentes récompenses, tu vois. Dès qu'il y a un truc qui vous intéresse et vous me dites, et on se lance ça, quoi. Enfin bref, on se laisse sur ça, du coup, il n'y a pas de mission, il n'y a pas de nouvelle mission, quoi. S'il y aura des nouvelles missions, bah je vous les fais, tu vois, mais là, il n'y a pas de grand chose à faire. Du coup, je vais pas vous montrer, du coup, je vous laisse là-dessus. On se dit à demain, du coup, ciao.